Bonjour, Marie et ses amis poètes vous présentent aujourd'hui Francis Djaem, né le 2 décembre 1868 à Tournai, Haute-Pyrénées, et mort le 1er novembre 1938 à Arparenne, aujourd'hui Pyrénées-Atlantique, est un poète français, également romancier, dramaturge et critique. Il passe la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays Basque, principale source de son inspiration. Il fait de médiocres études au lycée de Pau, puis à Bordeaux, en 1886. Il découvre Baudelaire après son échec au baccalauréat, zéro en français et en pleine quête de lui-même. Il écrit des poèmes et les adresse à diverses revues. Ses essais poétiques sont remarqués notamment par Mallarmé et André Gide. L'enfant lit l'almanach. L'enfant lit l'almanach près de son panier d'œufs. Et en dehors des saints et du temps qu'il fera, il peut contempler les beaux signes des cieux, chèvres, taureaux, béliers, poissons, etc. Ainsi peut-elle croire, petite paysanne, qu'au-dessus d'elle, dans les constellations, il y a des marchés pareils avec des ânes, des taureaux, des béliers, des chèvres, des poissons. C'est le marché du ciel, sans doute, qu'elle lit. Et quand la page tourne au signe des balances, elle se dit qu'au ciel, comme à l'épicerie, on pèse le café, le sel et les consciences. Mon coup de cœur aujourd'hui est Ligne d'horizon. Ligne d'horizon est née le 5 avril 1963 à Carpentras. Il écrit par pulsion depuis 2009. Ses textes sont sans rime pour écrire le mot juste, en contact avec la nature de par son métier. Et voici maintenant une étoile égarée. Ce matin, sur l'eau du lac, j'ai croisé ton reflet. Comme soufflé par le vent, je marchais dans ma tête en cherchant mes rêves perdus. Image flottante et éphémère, juste le temps d'un reflet, m'inspire les fissures du réel, tout en dessinant des ronds sur l'eau qui se transforment en tornades de mots d'amour pour dire que la vie est désir. Devrais-je laisser mes rêves tranquilles à l'aube naissante où ils viennent mourir? Mais pourtant, l'étoile du matin est si belle. Et pour finir, un petit poème de Marie. Petit bonhomme. Une petite main sur une feuille de papier réalise l'ébauche de son premier petit bonhomme. Un ovale qui fait penser à un œuf pour la tête. Des yeux comme des billes, mais pas de sourcils pour montrer quand on est en colère. Un trait en plein milieu du visage, voilà le nez pour sentir le bon parfum des fleurs. Une bouche en forme demi-lune qui éclaire un joli sourire. Des oreilles en arc de cercle pour tout entendre. Un rond pour le bédon. Deux grands bâtons qui lui feront de belles jambes, pas de pieds pour marcher. Deux petits traits, voilà les bras, pas de mains pour se rattraper. Mais qui lui fait dresser ses cheveux sur sa tête? Un courant d'air qui vient à passer, feuilles de papier s'envolent. Petit bonhomme aussi. Marie et ses amis poètes vous remercient. Vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.